Il y a un effet qui est énormément utilisé dans les clips de musique, c'est quand le personnage dit une phrase, puis ensuite il arrête de parler, mais la phrase, elle, continue. Freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Alors il y a deux façons de faire cet effet. La première c'est simplement de dire la phrase et puis ensuite d'arrêter de parler. Et puis ensuite de dire la véritable phrase en voix off. Mais c'est pas trop conseillé parce que ça peut être difficile de suivre le mouvement des lèvres. Tandis que si on utilise la deuxième technique, celle que j'ai utilisée, on enregistre d'abord la voix off, ensuite on la lance sur ordinateur juste à côté. Bon après pour ceux qui n'ont pas compris, ça peut très bien être sur un baffle, sur une radio, sur un coupon. L'essentiel c'est juste d'avoir la musique à côté pour être sûr d'être synchro. Pas comme dans ce clip de PNL par exemple où ils ont été obligés de rattraper la synchro au montage. Merci Hardisk. Puis ensuite on dit la phrase, on s'arrête de parler quand on veut, et puis on synchronise le tout au montage, c'est beaucoup plus simple. Regardez, pour que vous compreniez, c'est très simple, je vais tout simplement aller lancer la voix off et puis je vais faire l'introduction de la vidéo. Action. Il y a un effet qui est énormément utilisé dans les clips de musique, c'est quand le personnage dit une phrase, puis ensuite il arrête de parler, mais la phrase, elle, continue. Exactement comme je viens de le faire. Ensuite, vous coupez le son de la vidéo que vous venez de tourner, vous mettez à la place en fait le son de la voix off tout simplement, et puis le tour est joué, c'est aussi simple que ça. Bon, là je vais vous montrer ça sur Edfilm Pro, mais ça peut se faire sur n'importe quel autre logiciel de montage gratuit. Oui, vous avez bien vu Windows Movie Maker. Pour ceux qui ne comprennent vraiment pas, je vais aller chercher ma vidéo dans mon chutier, la mettre dans ma timeline, je vais supprimer l'audio et mettre à la place l'audio de la voix off, et c'est déjà fini.